Nous allons commencer à nous mettre debout pour nous prier. Alléluia. Bless your name. Bless your holy name. Bless your name. Alléluia. Merci, mon Dieu. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci. Hallelujah. Merci, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Loué l'Éternel, alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci Seigneur, alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Merci mon Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Bless your name, oh Lord, alléluia. Magnifiez mon Dieu. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, merci mon Dieu. Asseyez-vous, il m'aime ici.
à Dieu. Allons quitter mes noms, mes frères, un petit temps pour nous remercier, bon Dieu. Lift up our hands and praise the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. Merci Jésus, merci Jésus. Bless your name, bless your name. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. En effet, nous avons raison pour nous dire mon Dieu merci. We have our reasons to thank the Lord. Et qui choisit qu'il fait pour nous, donc nous pas même connaît. Thanks he has done for us that we undeserve of. Et qui bagaille il fait si nous connaît, donc c'est tout temps nous t'a dit mon Dieu merci. There are things that he's done. If you knew them, we would praise him all the time. Donc remerciement nous yo pas de jambes suffit pour bon Dieu. Our praises are not enough. Donc nous devons prendre plus de temps pour nous adorer bon Dieu. We ought to take more time to worship the Lord. Donc nous c'est espoir bon Dieu sur la terre, spécialement dans monde ça. Especially in this world, we are the hope of God in this world. Donc c'est seul nous qui capable attirer bon Dieu, intéresser bon Dieu, c'est nous qui intéresse bon Dieu sur la terre. We are God's interest and on the earth. Donc si nous t'a raté louange et gloire, donc bon Dieu va gagner trop qu'il café. If we would miss on praising the Lord, there's not much he could do. Parce que Jésus est arrivé dans zone, gagne bagaille il pas de café parce que moun yo te manqué quoi dans lui. Jesus got to a place he could not do because the people did not believe in him. Mais dans zone côté il te joint assez de la foi, grand pile miracle qui t'est fait. But in places where he found faith, there was a lot of miracles that took place. Dans zone côté il te joint des moun qui croient tout bon, grand pile merveille qui t'est fait. In places where he truly found people that believe in him, he. Donc c'est ça te fait bon Dieu, c'est celle ça pour nous faire, c'est et augmenter la foi nous dans bon Dieu. For God's people, the only thing that we can do is to increase our faith in the Lord. Louer bon Dieu dans bon temps ou mauvais temps. Praise God in good and bad times. David dit dans Psaume 92, il est beau de louer l'Éternel. David says in Psalms 92, it is good to praise the Lord. Il dit de célébrer ton nom au très haut. To praise the name of God on high. Il dit d'annoncer le matin ta bonté. To announce in the morning your goodness. Et ta fidélité pendant la nuit. To show forth thy loving kindness every night. Et il dit sur l'instrument à 10 cordes. And he says that upon an instrument of 10 strings. Quelquefois lorsque j'ai quelque bagaille bon Dieu fait pour vous, doit commencer battre main ou pour contour, jouer guitare discordio. Louer bon Dieu. At times when you remember what God has done for you, you must praise the name of the Lord. Hallelujah. Louer, jouer guitare discordio, louer l'Éternel. Praise the name of the Lord. Car il est beau de louer l'Éternel. For it is good to praise the Lord. Des fois lever dans lui, tu commences battre main ou louer l'Éternel. Raise up at night and praise the name of the Lord. C'est ça Pierre et Jean te fait lorsque ils en prison, ils commençaient louer l'Éternel. So Peter and John did when they were in prison, they started praising God. Ils commençaient battre main, louer l'Éternel car il est bon. And praise the name of the Lord. Car sa miséricorde dure toujours. For his mercy endure forever. Et bien, chaîne qui te marée a cassé dans le nom de Jésus. And the chain that bound them were broken in the name of Jesus. Alléluia. Si vous bagaille que nous besoin faire, vous avez sorti une montagne devant un obstacle, c'est louer l'Éternel. There's one thing that you can do is start praising the name of the Lord. C'est faire louange lui, attirer présence lui. The praising of him attracts his presence. David était dans une situation difficile qu'il a traversée. David was going through a difficult situation. Et puis il commençait à louer bon Dieu dans Kaili pour compte lui. And he started praising the name of the Lord by himself. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
peuple a ploué dans zone mais lui-même lui dans l'autre zone par contre parce qu'elle était roi. I don't know what happened but the people were praising and mais dans somme 22 il dit il priait trois fois par jour problème n'a pas jamais résolu bon Dieu pas jamais dans elle. Three times a day but the problem was not answered. Il priait pas jamais senti présence bon Dieu. He prayed but never felt the presence of the Lord. Mais l'elle commençait descendre on l'elle prend résolution pour le descendre dans mitan peuple. Well, he decided to get among these people. Pendant peuple a ploué l'Éternel il descend dans mitan eux. All the people were Il commençait à faire louange, mon Dieu. Il commençait à exalter le nom de l'Éternel. Alléluia. Il commençait à compter les bienfaits de l'Éternel. Même côté à la sortie présence, mon Dieu. Même côté à la sortie présence, mon Dieu. Oh, sortie d'allouer le Seigneur à problème, sortie d'allouer, mon Dieu, dans mes souffrances, mon Dieu. Sortie de recommander tout ça que nous louer l'Éternel. Alléluia. Nous apprenons pour nous faire problème, nous louer, mon Dieu. We learn to make a problem. Nous apprenons pour nous louer, mon Dieu, avec cerveau, nous avec l'intelligence, nous avec tout ça nous gagne. Et même si nous avons douleur, c'est pour nous recommander douleur pour nous louer le Seigneur. Pain, we must declare victory. Alléluia. Glory, alléluia. Praise God. Oh, louer, mon Dieu, louer, mon Dieu, louer, mon Dieu. Praise the name of the Lord. Merci Seigneur Jésus. Praise God, hallelujah. Oh, merci Seigneur Jésus. Praise his holy name. Et son bagage extraordinaire. It is something wonderful. Nous apprenons ça des hommes de Dieu, des frères Roger Bolière. We've learned that from Brother Roger Bolière. En pile fois réunis nos réunions, c'est parce qu'elle est en forme. Oftentimes you got in a meeting that. Et pas parce qu'elle sentit physiquement en forme. It's not because he's physical. Mais il passait problème dans l'ordre. But he il passait douleur à l'ordre. Il dit, "Wap louer mon Dieu pour moi." And start praising the name of God. Wap adorer mon Dieu avec moi. You worship God with me. Hallelujah. Praise God. Et puis, il a regardé les problèmes disparaître dans le nom de Jésus. For long, the problems have disappeared. Bon secret, il a louer mon Dieu, mes frères. When you pray. Hallelujah. Praise God. Merci Seigneur Jésus. Praise his holy name. Donc, ça fait nous sentir nous bien en présence de mon Dieu. Truly feel well in the presence of the Lord. Et c'est celle zone nous ca senti nous bien. It is the only place that we can feel well. C'est là nous en présence bon Dieu. In God's presence. Pour n'a compter les bienfaits de l'Éternel. Counting the wonders of the Lord. Merveille envers nous. The things he's done for us. Spécialement les nous en face des justes. Especially when we among righteous men. Parce que dans Psaume 11 et Proverbe 11 verset 10 là il dit que il dit quand les justes sont heureux, donc toute la ville est dans la joie. He says in Proverbs when just quand nous un ministre mon Dieu est heureux, donc nous tout nous avons la joie dans cœur. We must have joy because the ministers are. Quand nous avons en bonne santé, nous tout nous avons la joie. When we see them in good health, we must. Hallelujah! Et ça fait dans verset 11, il dit et ville là il est élevé par la bénédiction des hommes droits. The city is exalted by the blessing of righteousness. Corps à l'élever parce qu'il y a des hommes droits. Alléluia. The body is exalted because there are righteous. Il y a des hommes droits. Donc, nous allons croire bon Dieu pour eux. We're going to trust in the Lord for them. Et nous allons croire bon Dieu pour Brother Dave. Donc, frère Luc fait nous connaître qui est frère Limouri. We're going to trust for Brother Dave. He has someone that passed away. Et nous croyons que bon Dieu va réconforter. We believe the Lord will comfort him. Et même si nous connaissons qu'il y a assez de compréhension sur la mort physique. And we know he has enough understanding of the natural mais death. Mais cela n'empêche que la séparation provoque douleur. But that will not stop the pain that the separation produces. On a quoi bon Dieu pour combler vide là. We'll trust in the Lord to fill the void. Et pour réconforter famille. For this family. Réconforter le peuple de Dieu, ministère bon Dieu. The people of God and the ministry of God. N'a quoi bon Dieu pour frère Roger Bolière. Trust in the Lord for Brother Roger Bolière. Donc qui était doué là mais pour raison donc il est pas là mais nous croyons l'esprit dans zone non. He was supposed to be here but for some reason he's not here but we know his spirit well, is among us. Bon Dieu pour lui pour toute famille pour ministère lui. Trust in the Lord for him his whole family. Et Brother Luc. Brother Luc. Et toute plateforme en général tous mes frères qui sont à table là. All the ministers on the table. Quelque bon Dieu même pour ça que nous pas ouais. Lord for those that we don't see. Quelque bon Dieu pour nous une bonne session bénie. Just in the Lord to have a blessed session. Nous pas connaître si quelques besoins urgents mitan nous pas lever devant le Seigneur. Quelque bon Dieu pour frère Elifet qui papa le pas porter lui bien. Just in the Lord for brother Elifet his father is not doing well. Quelque bon Dieu pour frère Maslin frère
trusting the Lord for Brother Maslin. Jean-Claude, Frère Fetia. Brother Jean-Claude, Brother Fetia. Donc, nous pouvons croire bon Dieu pour vous, nous pouvons bon Dieu pour cuisine, non? Kitchen. Et pour Tessio, cap travail. The cooks, they're working. Nous pouvons bon Dieu pour Pasteur Saint-Fleur. Pray for Pastor Saint-Fleur. Et Brother Wonel, nous pouvons croire le Seigneur pour vous. Brother Wonel, let's trust him. En effet, plusieurs de nous avons besoin de toucher dans le Seigneur. A lot of us need a special need. Mais dis plusieurs de nous besoin de toucher dans le Seigneur. Special need. Nous pouvons prier, mes frères. Let us go to prayer. Je voulais rappeler nous que la prière c'est clé qui ouvre toute porte. Like to remind you, prayer is open la prière c'est clé qui ouvre porte guérison. Prayer is the key to open the key. Sous besoin on guérison, ou clé ou nan men en matin. If you need a healing, sous besoin délivrance, n'a pas ces clé pour nous prendre. If you need a deliverance, take the key. Sous besoin victoire matin, n'a pour clé à nommer nous pour nous prendre victoire dans le nom de Jésus. Victory this morning, take victoire sous pauvreté. Victory upon poverty. Victoire sous maladie. Victory upon sickness. Victoire sous la mort. Victory upon death. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous levons voix nous pour nous prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, we pray. Your holy name. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Praise God. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Merci bon Dieu, merci Jésus. Praise God. Alléluia. Praise God. Mes frères, si nous croyons bon Dieu tant de prières, nous levons nos mains pour nous remercier. The Lord answers our prayers, let us praise him. Oh, merci pour délivrance, merci pour victoire. Praise God. Merci pour guérison. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci papa, merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que bon Dieu continue à bénir nous, mes frères. The Lord bless you. You may be seated. Praise God. Donc, nous remercions bon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci bon Dieu. Levez-moi nous remercions bon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Et nous, bon Dieu bénis nous mes frères, content de nous. Et une fois encore nous. Merci pour bring me on the line, translating. I am. Donc, encore non, rendez-vous solennel ça.
We got for that. For the child. Donc, on va parler de trop. Okay. Yes, I'm not going to stay too long. Donc, seulement et content que vous ayez avec nous sous l'ingénieur pour passer le service là. Mais avant nous faire ça, nous checkons si bien aimé qu'il a dans la réunion ça pour la première fois. Brother Roger is on the service. We're going to turn it over to him. However, we want to present our visitors. Et va camper et puis faire autre affaire. On est ensemble avec nous. If this is your first trip here, stand up and we'll meet, make your acquaintance. Donc, again. Donc, nous gain et ça fait place. Donc, salut, nous gain frère Janel, pas vrai, avec nous passer au micro pour saluer votre bon Dieu. Or Brother Joanel is going to greet the folks. Bon Dieu nous béni. God bless you all. Kalevé mais ensemble avec moi louer le Seigneur. How about you raise your hand and praise the Lord with me? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Merci, Seigneur. Praise God. We thank you. We thank the Lord. To be in this meeting with you all this morning. My name is Brother Janel. And the family name is John. Glad to be with you all this morning. Especially brethren that are on the platform. I only know Brother Luke. And I also know another brother. But we're glad that we're together. We've been members of one another. How many are glad to be here this morning? Again, I'm here this morning. I thank the Lord. I've said it already. I'm glad to be part of this great meeting. Certainly is a blessing for me to be acquainted with this great family. It is true that we are a part of this family. I'm from Nazon, that's being led by Brother Ewo. Jesus taught us this in the book of John, the 15th chapter. Requiring that the branches stay in the vine. And unless they remain connected in the vine, they will not produce. So we thank God He has put us on the vine. Hallelujah. Blessed Lord. Oh, c'est parti pas moi, mais c'est parti pas. We are members of one another. M'encourage à rester dans ce plan. I do encourage you to stay in the vine. Et si vous êtes bon garanti, on produit ensemble. If you do stay together, you will produce together. And will have the same spirit. Same mind. And will end up having the same knowledge. So that this world tradition will not take us away. I believe the ministry is very rich, giving us men to teach us this word. And today we recognize we are at the foot of the cep. And Jesus is the truth.
Father is the husbandman. I'd like to stay in the scepter. How many want to stay there? Blessed this morning. I'm accompanied with Brother Jean-Pierre. We are here this morning from orders from Brother Ewo. Maybe should have been here with us this morning. Reason or another, Brother Ewo couldn't make it, so he sent myself and Brother Jean-Pierre, so that we can be here this morning. I'm your brother. We all are brethren here. I'm not from St. Mark. I'm from Plateau Central. But he took me out of Plateau Central and bring me to Port-au-Prince. And when I got to Port-au-Prince, the Lord led me in the field. This morning, I can say that I'm edified. I'm blessed. Let us pray for one another so we can stay within the vine. Pray for Brother Boyer that has great work here. Pray for Pastor Luke. Pray for Brother Luke. Pray for all the men of God who are connected to the zone. And the various men of God that are here, that I feel there's a great work being done here. Brethren, you are blessed here. The brethren, you all are blessed. Band members, you all are blessed. Let us stay together in the same mind, same love. Hallelujah. And we'll see what the Lord will do for us here. I know time is limited. I'm blessed and I'm edified that I'm with you this morning. My expectation is this is not the first and only time, but we pray that the Lord will keep us together, be blessed together, and speak the word of God together, encourage one another. I know brethren came from very far to be in this meeting. Be not afraid, the Lord does have a blessing for you. Keep silence. Just keep silence. The Lord will fight your battle. God bless you all. Praise God. Nous remettons service là avec ministre nous, Frère Roger. I'd like to give the service over to Brother Roger. Donc, préparez-vous sur nous. You want to prepare your vessels. Sur mon Dieu. Mon Dieu bénit nous. Bless you all. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur ensemble. Merci Jésus. Thank you, Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. Bon Dieu, merci pour chance qui bon moi pour me réunion ça matin ensemble avec nous. I thank the Lord for the chance he's given me to be in this meeting with you all. Moi regrette présence moi pas en Saint-Marc. I do regret I can't be in St. Mark with you all. Alors, physiquement pas dans Saint-Marc. Physically I can't be there. Mais spirituellement moi là. But spiritually I'm there. Et salut tous les ministres. My greetings to all your ministers that are on the table. Et tous les ministres dans l'église là. And the ministers that are sitting at the church. Les saluer tous les ministres qui sont Zoom là tout. Along with the ministers that are on the Zoom as well. Donc nous avons plusieurs ministres qui sont Zoom là. We have many ministers on the Zoom. Donc les saluer dans le nom de Jésus. My greetings to you all in Jesus' name. Content pour France bon Dieu ben non. Certainly glad for the opportunity the Lord affords us. Donc pour réunion ministre, to have this ministry's meeting. En effet, nous apprenons comment Pasteur Nick travaille. We learn how Brother Nick worked with us. Et Pasteur Nick pas de l'église locale. Brother Nick never had a local assembly. Mais il réunit des frères pour enseigner. But he did gather brethren and he taught them. Il fait même là avec Jésus établit un ministère. He did like Jesus did. He established a ministry. Quand vous ministrez ça,
And I'm glad for this ministry. Donc toujours gain esprit ça. And I always have the spirit. Et que soit côté moyé. Wherever that I'm established. Nous fait réunion des ministres. We always have ministers meeting. Donc il commence très bas. We started very low. Mais le Seigneur commence réellement aider nous. But the Lord is helping us. Dis bon Dieu merci. And we thank the Lord. Content pour tout bien-aimé dans la Tibonite. Again, we're glad for all you folks in la Tibonite. Regret mes frères qui m'bawe là. I do regret some brethren are not here or not there today. Priez pour eux. Télémon nous parle pour un petit temps. We haven't seen Brother Télémon for a long time. Donc priez pour lui. Let's keep him in prayer. La connaît qui problème rien, on peut pas brûler le barrage. We don't know what problem he may have, but many a time I called him, I cannot reach him. Mais nous toujours songer lui. But he's, we're always mindful of him. Toujours prier pour lui. And often pray for him. C'est une parmi nous. So he's one among us. Il est intérêt dans lui. And we do have our interest in him. Mais vous nous priez pour lui. And I do ask that you pray for him. Donc nous disons merci pour prier, non? And again, I thank you all for your prayers. Vraiment pas bien. I was not doing well. Et le Seigneur commence à établir moi. The Lord is reestablishing me. Continuez prier pour moi. I request your prayers. Le Seigneur capable de continuer vraiment établir moi. That the Lord can restore me completely. Donc, nous connaissons Pasteur Dave là matin. We know Brother Dave is not online with us today. À cause de son neveu qui est mort. Because one of his nephews died. Donc, ça qu'elle parle la matin. That is the reason he's not here with us today. Continuez prier pour lui. Let's keep him in prayer. Et prier pour le corps de Christ en général. Pray for the body generally. Spécialement les ministres en Haïti. Especially the ministers in Haiti. Qui a traversé un grand problème. That is going through a very difficult time. On est en pile d'église, pas fonctionné. When many churches are not functioning. En zone où il y a un doigt, oui. Based on their locations where they have service, you know, des zones qui sont très fragiles. They are in risky areas. So they have to be very cautious. So let us pray for these ministers in those churches. We have many ministers on the line. We always make room to allow the ministry to bless us. That's what Brother Nick established. When we have ministers with us, open the doors for them to bless us. Because there are things that have need from them. So we'll open the door to bless us. For them to bless us. We're honored to have Brother Adams here with us this morning. Et tout l'autre ministre. And all the other ministers. Nous les reconnaissons, Pasteur Adams, son bon ami pour nous dans Saint-Marc et dans West Palm Beach. We'd like you to know Brother Adams is a good friend, let alone in Saint Mark, but here in West Palm. Donc nous voulons faire place pour lui. We'd like to make room for him. Donc nous voulons attendre le matin. Like to hear him. Pour professeur. You know, he's a good teacher. Toujours béni moi. He's always a good blessing to me. Bon matin. So I'm glad this morning. Dans zone la béni moi. That is here, he'll be a blessing. Il a béni nous tous. And he'll bless all of us. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Brother Adams. Brother Adams. You're still muted. You're muted. You have to unmute. There we go, finally. Well, we want to certainly give honor this morning to Brother Rogers and all the staff of the Luke. Those is hosting there in Haiti. Nous voulons bien honneur à Pasteur Roger, Frère Luc et Saïok en Haïti. All the other ministers that is present with us here this morning. Tout le ministre qui la matin avec nous. We want to honor each and every one. Nous voulons honorer chacun de vous. Regardless of the gift and the level of the gift.
Et en dépit de tout, en dépit de don que vous gagnez et niveau don que Jean don a proféré dans la vie. Because we realize that whatever God has dispensed in your life, parce que nous réalisons ça que bon Dieu dispensé dans la vie, is for the edifying of the body of Christ. C'est pour l'édification du corps de Jésus-Christ. And certainly we are living in a time where we need every one of the men of God. Et n'a vive dans un temps côté nous gain besoin tous les hommes de Dieu. Because God has placed you in the body of Christ. Parce que c'est Dieu qui placé vous dans le corps de Christ. 1 Corinthians 12 and 18, I believe it is. Corinthiens 12, verset 18. That God has placed us in the body as it has pleased him. Il dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. So, because God has set the members, every one of us, in that place. Dès que ce bon Dieu qui place chacun de nous dans la zone que nous y a. If it please God, it ought to please me. Si ça fait bon Dieu plaisir, donc il t'a dû faire plaisir aussi bien. Regardless of your office. Et en dépit de qui office que vous gagnez. And your ability. Et habilité que bon Dieu place dans vous-même. So we're thankful that we are privileged again to be with you all. Donc nous reconnaissons dès que nous gagnons privilège pour nous avec vous. We've always enjoyed Brother Rogers' gift over the years. Oui, nous toujours réjouis dans le don que Frère Roger gagné à travers les années. And what it has produced in the lives of God's people. Et don ça, et ça le produit dans la vie peuple. The Bible said that a gift is as a precious stone. La Bible dit comme ça, yon don c'est yon. Et c'est un rocher qui est précieux. Whithersoever man turns it, that's Proverbs 17 and 8. Ça, c'est dans Proverbes, chapitre 17, dans verset 8. Whichever way it turns, it prospers. Dans zone, n'importe zone où virer dans ça, il prospère. And so, that's how. What do you say, Brother Remy? Go ahead. I was just telling the verse. Okay. Yes. So whichever way it turns, it prospers. Li di nan kenpòt zone ki ou vini, nan kenpòt kote ou viri prizan sa, li wap gen suksè la dan. So God has given Saint Mark and the body of Christ a gift. As he has given other gifts to the body of Christ. Dieu bay Saint-Marc et aussi le corps de Christ yon don, même Jean bay tout corps a don. Again, Apostle Paul in Ephesians 4, a well mentioned verse of scripture. Apôtre Paul dans Ephesians 4, son écriture que nous vraiment connaît. 4:11. Verset 11 says that God gave us apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the perfecting of the saints. Il dit bon Dieu bon nous tout dans ça yo apôtre prophète pasteur docteur évangéliste il dit travailleux c'est pour perfectionner le perfectionnement des saints. For the work of the ministry. De l'œuvre du ministère. For the edifying of the body of Christ. Et l'édification du corps de Jésus-Christ. So those gifts been given to prosper us. Donc, don ça a eu dispensé pour yo ka prospérer nous. So we need to value those gifts. Ça nous doit faire, c'est valoriser don ça a eu. And whatever measure of gift. Or the measure of that gift is.
et n'importe mesure de don que vous gagnez au niveau mesure à dans la vie. Since the last ministers meeting, we've been talking about value or honor. Dans la dernière réunion des ministres nationaux nous avons ici, nous avons parlé concernant valeur et honneur. Because the word honor means to have value, to value. Parce que l'on parle d'honneur, ça veut dire c'est quelque chose qui gagne valeur pour. That's why we have those passages also in Hebrews 3 times. Ça qui fait dans Hébreu, vous gagnez quelques passages là. That tells us how to salute them and obey them and honor them. They muted me accidentally, so you can start over again. Okay. That's why in Hebrews, the 13th chapter, c'est dans Hébreux, chapitre 13, it tells us to, the 7th verse tells us to remember them that have the rule over us. L'Olivier verset 7, là, il dit, faut souvenez-vous de vos conducteurs. And we want to remember those or give value to them. Nous devons changer mon sayo et by honneur valeur. Because God has put them in the body of Christ to speak to us the word of the Lord. Parce que bon Dieu dépose placer nos corps pour y annoncer nous la parole de Dieu. And of course we have watched the faith follow. Et en pile fois tout nous garder que nous imiter foi mon Dieu. And then the 17th verse of the 13th chapter. On y a l'oralé le verset 17 dans le même chapitre là. It tells us to obey or submit ourselves to them. Verset ça et commandez-nous pour nous obéir et soumettre-nous. For they are watching for our souls. Raison parce qu'il a veillé sur nous. So again, they are to be valued or honored. Donc nous gagnons redevance pour nous valoriser et honorer ces gens-là. And then in verse 24 of that 13th chapter. Se descend dans même verset 24 maintenant dans même chapitre 13 là. It tells us to salute them. To Lee, go ahead. No, to salute them. Lee enseigne nous pour saluer mon saio. And so we can again see the value that is that God has given to the ministry, not for pride or arrogance. Voilà, nous capable valeur que bon Dieu déposé sur le ministère, mais c'est pas pour yo gagner, c'est pas pour yo arrogant, ni c'est pas pour yo orgueilleux. But for labor purpose. Mais li ba yo honneur ça pour yo capable travailler. He wants us to honor them that he has placed in the body to labor to give to us the word of the Lord. Livre pour nous nourrir ces gens là qui est placé dans quoi cap travail dans domaine de comme dispensateur de la parole de Dieu. And so sometimes of course pride can get involved in this operation. Souvent fois et orgueil qu'on faufile les corps dans l'opération ça. But remember, it is what God has chose for you
and for me. Mais faut toujours songer, c'est ça bon Dieu gain pour vous et pour moi. And that is to edify and build the body of Christ. Ça le gain pour moi, ça l'enseigner nous, c'est pour nous édifier et bâtir le corps de Christ. So we must certainly value and honor the ministry of the body of Christ. And donc, on considérer ça pour nous valoriser et honorer le ministère du corps de Jésus-Christ. So I've been really appreciating what God has given to me. Moi, commencer prendre temps pour m'apprécier ça bon Dieu déposé dans la vie. And I need you to give me what God has given you to give me. Et moi-même, moi besoin pour ban moi, ça bon Dieu déposé dans la vie ou pour ban moi. Because that's how I am edified and strengthened. C'est façon ça moi-même, moi recevoir force et moi édifier. So we honor the brotherhood today. Therefore, nous honorer les frères. Because we realize that this is an operation of God. Parce que nous réaliser ça, c'est une opération de Dieu. We know that God has a set time in His plan. Nous connaît bon Dieu un temps bien spécifique dans plan li. To restore the church of God. Pour restaurer l'église li. Even though we're being restored right now. Même si nous sommes en train de la restauration. From birth till adulthood, there is a space in between there. Voilà, de naissance jusqu'à ce que nous devenions adultes, il y a un espace là bien déterminé. And in that space, God is bringing us to that full age, that full maturity. Et entre temps ça, espace ça, bon Dieu a mené nous jusqu'à ce que nous arrivions dans la maturité complète. And it's a set time for us to get to that place. Et nous gagnons temps bien déterminé pour nous arriver dans zone ça. But while we're getting to that place, the lesson that need to be learned in this process. Cependant, pendant et marcher vers destination, ça a gagné des leçons que nous devons apprendre dans le processus là. Is to help us not to go back when we get there. Et leçon ça nous apprendre, l'état doit qu'embé nous pour ne pas retourner dans zone côté de sortir. So every experience that we've had since birth. Qui veut dire chaque expérience qu'on fait du berceau ou de la naissance. That's repentance, baptism, and Holy Ghost baptism. C'est premièrement la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Which equals birth. Et l'on met ça ensemble ou jeune la naissance. Then from that time to where we're going to finalize our walk in God. Et de là ça pour zone que nous pour aller à pour nous arriver dans zone finale de marche de la bon Dieu. It's called maturing. Zone ça relé processus ça relé la maturité. But one thing is certain. Mais gon bagay qui certain. The birth is a prerequisite of maturing. La naissance son bagay qui nécessaire pour avant même pour arriver dans maturité. Pas qu'arriver en maturité sans ou pas joindre ça créer la naissance. Without birth there is no maturity. Sou pas jam fait pour mettre blier la maturité. And so God has set a time in his economy for us to grow up into a full measure
and stature of Christ. Donc, bon Dieu, bon non espace de temps dans l'économie li pour nous capables arriver à la mesure de la statue parfaite de Christ. Okay, that's Ephesians 4. C'est même Ephésiens 4 là. And verse 13. Ça, c'est à partir du verset 13. It says, till we all come in the unity of the faith. Paul dit là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Until we come to the complete understanding, to the unity of the oneness of the faith of God and the knowledge of the Son of God. C'est ça, c'est jusqu'à ce que nous arrivions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Unto a perfect man. Ça va mener nous à la mesure de la statue parfaite de Christ. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Again, il dit à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. See, we're going somewhere. We're going to ultimately get to where God has already determined that we will come to, and that's maturity. Voilà, nous avons marché dans une zone et destination, c'est à l'état d'homme fait. C'est ça, bon Dieu, mais juste ça, bon Dieu, laissez-vous nous. But in between that time is where we are in our wrestling or in our development. Ouais, et entre temps ça, de naissance et à la mesure de la statue parfaite de Christ, c'est là que n'a pas c'est bon, n'a pris un pile et choc. And we want to do that. We want to develop properly. Et entre temps ça, nous voulons développer proprement. I don't believe I can develop properly if I am not valuing the gifts that God has given me to develop. Ouais, m'pa kwè m'a développé droitement si m'pa développé don que bon Dieu déposé nan mwen an pou si m'pa développé don ça. Because God has given me these gifts and abilities to mature me, help mature me and mature me. Parce que don ça yo que bon Dieu ban nous hein, c'est pour mener nous à la maturité. That's what perfection is, maturity. Et c'est sa perfection hein, c'est maturité. Morally and mentally. Ou mature moralement et spirituellement. That's growing up to you be no more children thinking like a child. Et ça fait le dit là, en verset 14, là, ou pas même gentil mon encore, pas penser même gentil mon encore. Acting like a child. Ni ou pas agir même gentil mon encore. Crying to have your way like a child. Oh, crier pour faire pas son pas la passer comme un petit monde. But growing up into him. Mais lui mandé ou va grandir dans lui même. That's why we're here, to grow up into him. C'est ça que fait dit là, nous là pour nous croire à tous égards. Which is the head of, which is the head, even Christ. En celui qui est le chef, Christ. Et verset 15. Now the 16th verse is again so important. Ouais, verset 15 est très important. Because it tells us from whom the whole body is fitly joined together and compact. Verset 16 là important. Il dit c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné. By that which every joint supplies. Formant un solide assemblage, tout son accroissement selon la force qui convient à chacun d'eux. C'est pas tout. Remember, I'm talking about value and honor. Changez bien et ma et parler maintenant concernant honneur et valeur. So you can see that we need every joint bringing a supply.
Ça montre là, nous besoin chaque jointure pour yo mener yon, pour yo édifier tête yo, pour yo mener yon au parti pa yo. According to the effectual working in the measure of every part. Il dit, il va tirer son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Can you see how much I really need you here? Est-ce qu'on a identifié combien j'ai besoin là? Can you see how much you need me here? Est-ce qu'on a identifié tout combien j'ai besoin moi? Can you see I can't look past any part of my body? Est-ce qu'on a identifié là que ou pas capable minimiser aucun partie dans corps? I need every joint. Moi besoin chaque lien dans corps. To supply. Pour yo capable supplier assistance yo. On whatever level you're on. Na kenpòt niveau que ou ye a. Don't get on Brother Rogers' level if you're not on Brother Rogers' level. Pa monte sou niveau frère Roger sou pa niveau frère Roger. Don't get on Brother Luke's level, Brother Remy's level. Parle nan frère Luc, frère Remy, frère Philippe. Parle nan niveau moun sa yo. Just stay on your level. Rete nan niveau pa yo. Work in your measure. Travay nan mezu ke bon Dieu ba yo. Because you're valuable where God has placed you to work at. Pase nan zon ke bon Dieu meto la ou gen vale la. And you will mess up your value if you work outside of that. Et ou a dévalorisé tout l'on pas travail dans zone que bon Dieu met là. That word effectual working. Ouais, mot ça côté dit et convient chacun parti. Means efficiency. Il montre là bon travail efficace qu'a pour place. We need to be efficient. Nous devons être très efficaces. The body of Christ needs to be efficient. Le corps de Christ a dû être très efficace. Brother Roger saying his physical body is not working efficiently now, and he wants us to pray for his efficiency. Oh, j'étais dit là que corps naturellement pas travaille avec efficacité. Il voulait pour nous prier pour lui, pour corps à retourner dans l'efficacité. Of every part. Et chaque partie dans le corps. When one part is not working right, it affects everything. Ouais, le bon partie dans le corps qui pas travaille droit, tout corps affecté. And it is spiritually the same way. Spirituellement, c'est même biologique. We need one another to work. Nous besoin yon l'autre pour travailler sa marché. Efficiently. Pour nous capable travailler avec efficacité. Never minimize your place in the body of Christ. Pas jamais minimiser zone que bon Dieu meto na nan corps. But never oversize your position in the body of Christ. Pas jamais lever tête trop haut tout mettez position en trop haut dans zone que bon Dieu mettez là tout. Paul in Romans 12 and 3. Dans Romains 12 verset 3. He says, for I say through the grace given unto me. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun. To every man that is among you. Je dis à chacun de vous, not to think of himself more highly than he ought to think. Il n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. That's what I mean by oversize, over your measure. C'est semblé moutou là pour pas monter tête trop haut. But to think soberly, that's the balance. Mais de revertir des sentiments modestes, c'est j'en sont qu'à balancer. According as God has dealt to every man the measure of faith. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. He said that God has dealt to me my measure. God has dealt to me my value. Well, Paul dit que bon Dieu départie au mesuré à moi-même
valeur moi. And I'm to disperse that what God has given to me. Et travail que me doit faire avec ça bon Dieu ban moi c'est disperser li remettre li bay li. Verse 4 says, for as we have many members in one body. Verset 4 dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. And all members have not the same office. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. So we being many are one body in Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. And every one member one of another. Et nous sommes tous membres les uns des autres. And then he said, then having gifts differing according to the grace that is given to us. Verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. For the prophecy. Celui qui a le don de prophétie. Let us prophesy according to the proportion of our faith. L'exerce selon l'analogie de la foi. See, we're learning how to do it efficiently in the proportion. Voilà, n'a apprendre qui j'ai pour me faire proportionnellement. That God has given me. Et que Dieu a accordé à moi-même. So, what I'm expressing here today. Et ça m'a m'a montré à nos matins. Hein, that you are valuable to me. Je voulais faire nous connaître que nous avons valeur pour moi. That I honor you. Et moi, honorer chacun de nous. I honor you as where God has placed you in the body of Christ. Moi, honorer côté bon Dieu mettez-vous dans le corps de Christ. And you are to honor others as where God has placed them. Et job Paul, c'est pour honorer l'autre monde côté bon Dieu mettez-vous. Because we need one another. Parce que nous besoin yon lot. So I again appreciate this ministry without taking a lot of more time. Donc, m'apprécie le ministère ça, sans avoir un peu plus de temps. I hope I was understood, and if not, certainly subject to questions. Mais espérer nous te comprendre, ça m'a dit la taloua, mais cependant, moi sujet à question, si nous ne pas comprendre. Just know that you are valuable in your place. Semble pour comprendre c'est que dans zone où il y a ou gain valeur. In other words, I honor you in your place. En d'autres termes, moi honorer dans place. And we look for your supply in the body of Jesus Christ. N'a atteint lien et aide dans le corps de Jésus-Christ. May the Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse. If we continue to pray for you, continue à prier pour vous. Continue to pray for us as well. Faites-toi de même pour nous. Thank you. Bon Dieu bénis. Praise the Lord. Praise God. God. Yes, Lord. Pastor David. Pastor David, pour là. The local meeting, please.
Excusez-moi. Nous avons dit, non, alors moi, le spotlight, est-ce que monsieur les autres? Oui, pas cela, vous nous mettez pas. Oh, ok, excusez. C'est parce que. D'après son bagage, excusez. Sorry. Mais bon, Dieu bénis, non? Moi, content, mon réunion, ça, matin. Hein? Par contre, si j'interprète, si vous me tannez. Rémi, can you translate for me? Frère Rémi, est-ce que vous avez traduit pour moi? Not now, because you have the other one, the pastor's iPad on mute. So if you can put me as a co-host there so I can use it. Okay, you want me to put his tablet? Yeah, put his tablet as a co-host and interpret. So, certainement, saluer tous les ministres de Dieu qui soulignent, non? Content de Pasteur Adam. My greetings to all the ministers and glad to hear Brother Adams. Et content de voir tous les ministres de Dieu qui soulignent avec nous et tous les frères de Saint-Marc, nous saluons, non? I greet your brethren from Saint-Marc. I greet all of you all. Donc, il est vrai, me font paraître dans la réunion là parce que son rendez-vous ne pas qu'à manquer. I came to the meeting because I know it's a meeting that I don't want to miss. Son rendez-vous que toujours mettez dans mémoire pour participer là-dedans. I've always put this in my mind so I can participate in this meeting. Donc des fois je me seulement contenter m'a dit de saluer nous. Content de venir et puis saluer nous, parler avec nous juste deux, trois minutes et puis m'aller parce que on connaît assez de grands hommes qui ont développé certaines choses avec nous. Mais toutefois, pendant deux, trois minutes, on a dit deux mots avant m'aller. I often come quick and say a few words and greet and leave because I know there's great men that can actually expound things to you all. But since I have some time, I like to go ahead and expound a few things. Et Pasteur Adam travaille sur le ministère de Dieu dans là, mesure de capacité de don chacun de nous pour aider corps. Hein? Brother Adam was working on the measure and the capacity of gifts to help the body. Nous comptons pour arrangement ça, bon Dieu fait pour nous en fête à ça, depuis une grâce en l'église primitive, lui mettons main à disposition le corps de Jésus-Christ. We thank God for what he's done since the inauguration of the primitive early church. He's put a hand to take care of his church. And that hand is taking care of the body. Jesus didn't make any arrangements physically for him to take care of the body. Il était venu en tant que bras de l'Éternel. He came in as the arm of the Lord. Et puis dans bras, il met une extension qui c'est main. And on the arm, he put an extension which is the hand. Donc on n'a pas sorti de là, donc non seulement non c'est la main qui connecte avec bras, que bras connecte avec Dieu. See, we're but just the hand that's connected to the arm which is connected to God. Donc c'est un arrangement ça le Seigneur a aidé peuple. And that's what God uses to help his people. En un mot, personne ne peut pas sauver sans plamer ça. In other words, no one can be saved without this hand. Et donc pas qu'on autre arrangement qu'a fait encore pour laver, nettoyer, purifier et sanctifier que par main ça. And there's no other arrangement that can be done to wash and be sanctified without this hand. Et pas fait cette illusion pour dire bon moi me carrer là quand moi pas besoin ministère pour sauver ça pas existé du tout. Don't give yourself this illusion, say well I can stay home and be saved, such things do not exist.
Donc Jésus mourit, c'est pour il fait arrangement ça avant d'aller. Prior to Jesus leaving us, he died, but prior to him leaving, he made this arrangement. Et puis il transféré autorité sa mission dans Luc 16 verset 10 ou bien 16, il dit celui qui vous écoute le ministère de Dieu m'écoute. And he transferred this authority to them. He said, whosoever listens to you, listens to me. Or heareth you, heareth me. Celui qui vous rejette, me rejette. And whosoever rejects you, rejects me. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, à savoir Dieu le Père. And whosoever rejects me, rejects he that sent me, which is the Father. Donc, une fois que recto facto ou rejeté ministère bon Dieu, rejeté bon Dieu directement sans le savoir. Thus, the very day you reject the ministry, you have rejected God the Father without knowing. You have never seen God, neither have you known him, however, you've just rejected him. Parce que rejeté ministère. Because you've rejected his ministry. And we thank God, he yet has a ministry that's being restored. I'd like to share this idea, this thought with you all. Dans l'Ancien Testament, tu as une ordonnance que Dieu t'a fait aux enfants d'Israël qui c'est l'huile d'onction. In the Old Testament, there was an ordinance that the Lord commanded the Israelites concerning the anointing oil. C'est bon Dieu qui ordonnait Moïse pour le faire l'huile d'onction. It is God who ordained Moses or commanded Moses to make or fabricate this anointing oil. C'est pas moi qui te fait, pas personne qui dit Moïse fait, c'est bon Dieu bal fait dans mesure bal fait selon Jean de fait. It was not anyone that commanded Moses, however it was God that prescribed the measurements and how to do such an anointing oil. Son leçon que tu as prendre le temps m'a fait m'a résumer et puis n'importe l'homme connaît ministère bon Dieu va travailler sur. It's a lesson that often takes long, but I will summarize it, and I know the ministry will work on it. Parce que rien que t'es fait dans l'Ancien Testament, par contre, c'est un portrait lié de réalité nous avons Dieu actuellement. Rien de les moindres détails. Whatsoever, be it that the smallest details in the Old Testament that was done is a figure or picture for us for the New Testament. Et en effet, apôtre Paul dit ça. Il dit bagage ça c'était figure de l'ombre des choses à venir que tu y es dans Hébreux 10. Paul said these things were the shadow of things to come in Hebrews 10. Quel que soit détail où est Moïse t'es gain dans le naturel de établir tabernacle là, tous les détails, les ustensiles, n'importe détail qu'on elle a donne non, il gon figure sur le plan spirituel pour nous aujourd'hui. Quel que soit là. Whatever details that was in the Old Testament, be it that the tabernacle, the various thing that you see there, the utensils, all these have a figure, has an accomplishment in the New Testament. The thing that you need is the understanding so you can understand it. Israel read these things, they taught these things, but they were quite unaware of them. Parce que l'apôtre Paul dit jusqu'à présent, ils lisent avec un voile sur visage. Paul said they yet read the Bible with a veil upon their face. Parce qu'ils ne comprennent pas. Because they didn't understand. Mais béni soit l'Éternel, bon monde qui déceler les ça pour nous dans le Nouveau Testament qu'à comprendre. But we thank the Lord somebody broke the seals of these books so that we can understand this thing. Et je dis à nous j'ai une compréhension. Today we have garnered the understanding. Exode 30, verset 22-24. Exodus 30, verse 22nd verse to the 24th. L'Éternel parla à Moïse et dit, the Lord God spoke unto Moses and said, prends des meilleurs aromates. He said, take thou also the principal spices. Je me dis, c'est Dieu qui bat Moïse, ingrédients ça y est, épices ça y est, pour composer l'huile ça pour lui. It is God who commanded Moses and gave him these spices to build this anointing oil. He dit 500 sicles de myrrhe. Of pure myrrh, 500 shekels. De celle qui coule d'elle-même. And go ahead. Qui coule d'elle-même, la moitié de
soit 250 cycles de cinnamon. And sweet cinnamon half so much. Il dit 250 cycles de roseau aromatique. And 250 shekels of sweet calamus. Verset 24, il dit 500 cycles de casse. And verse 24, and of acacia, 500 shekels. Selon le cycle du sanctuaire. After the shekels of the sanctuary. Et hin d'huile d'olive. And of oil, olive, and hin. Ça, c'est ingrédient ça, yo, que l'Éternel dit Moïse pour le choisir, pour le faire l'huile la boule. God commanded Moses these ingredients to build the anointed or to fabricate the anointing oil. L'huile était là pour oindre Aaron et ses fils. And this oil was there to anoint Aaron and his sons. Et il conservait avec tout pour oindre un roi, oindre un sacrificateur. And they also use it to anoint a king or a priest. Et sans dire les détails que bon Dieu dit, well, l'huile ça m'a voulu que nous-mêmes copier le même pour un autre pour nous faire. See, without even going to details, God forbid that they should duplicate this oil. Et nous comprenons ça, l'huile d'onction, nous comprenons ça, onction, il y a dans la vie. Nous comprenons ça, onction, il y a dans la vie, homme de Dieu qu'on y est. We understand and know what the anointing is in the life of a man of God. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu fait le physique, ou t'es pas well. See, in the Old Testament, God made this. It was physical. You could have seen it. Le temps qu'a manqué parce que m'a fait nouvel tableau, a même bagué en sous écran, m'a fait nouvel, c'est que l'or mette tout ingrédient ça ensemble, li bon, on mesure de 7 gallons d'huile d'onction. L'or prend tout. Le temps qu'a manqué, m'a fait addition pour nous. See, it may be difficult. Because of lack of time, I may not be able to do the addition. But when you put all these things measured together, you will find 7 gallons of anointing oil. Yeah. Donc, et pas inquiétant, livré. À partir de calculs ou faire, après, 7 gallons. Mesure avec tout le fait là. Nombre de composition, nombre de ingrédients, le mettons ensemble, là, 7 gallons total. When you put all these spices together with the number or the requirements that they give there, you will get a total of 7 gallons. Mais songez ingrédients. But remember the ingredients. Premier ingrédient c'est le myrrhe. The first ingredient is myrrh. Et l'on va le comprendre c'est ça yo signifie. See, you'll get a better understanding when you look at their meanings. Et dans origine moi. In the very origin of the word. Myrrhe veut dire amer. The myrrh means bitter. C'est la mot ça sorti amer. That's where that word comes from, bitter. Parce que c'est là et l'origine ingrédient ça, le gars de qui j'ai dans origine moi je sorti, ça dit que il était gagné en caractéristique d'amer là-dedans. See, you'll find these ingredients. This had a characteristics of bitterness. Parce que Moïse a venu de Mara. Because that word came from Mara. Pour qui ça bon Dieu obligé voyons à chercher une épice qui est amère pour le mettre dans l'huile que l'a fait. Why does God require a bitter spice to build an anointing oil? Un bagage qui est amère a dit que pas facile à avaler, pas facile pour comprendre, l'amère. In other words, something that is bitter is not something that you can swallow easily. Parce que la mer. Because it's bitter. Eh bien, ça signifie pour nous épreuve dans le Seigneur. These are the trials that God uses to try us in the Lord. Parce que épreuve pas jamais douce. Because trials is never sweet. Verset qui nous a tant qu'à faire un défaut, moi je dis pour me tabac dans toute écriture pour me pouvoir ça, pour écouter que même depuis l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau Testament, comment les bien-aimés qui t'ont souffert, comment ils ont dû y amener pour se passer, c'est ça. We could do the lack of time, I won't be able to give you all the scriptures, but I can show you that, give some scriptures to show you that how all the people in the Old Testament, even in the New Testament, when they were suffering, it was not something that was sweet to them, it was bitter to them.
Bon Dieu serve avec ça pour éprouver ses serviteurs comme une période de preuve pour l'éprouver nous. Amen. Pour nous passer test. God uses this to try us to for a period of time to go through his test. Et plusieurs écritures montrent ça. Mire était là comme une épice qui est amère et tandis que son bagage qui donne envie nous. See, myrrh was there as a bitter spice. However, it's a requirement for it to be in our lives. Donc Esther était obligée de passer 6 mois dans l'huile de myrrhe, 6 mois dans l'huile d'aromate. I believe Esther had to purifier les corps. Go through 6 months of oil of myrrh and 6 months of sweet cinnamon for her to go to purify her body. Et là, passer dans l'épreuve qui sont période dure, bon Dieu, pas quitter comme ça. L'ivoyé, on l'autre bagaille. Ça fait deuxième ingrédient que nous apprenons dans l'ingrédient qui c'est deuxième, non? Qui c'est cinnamon aromatique. See, the second ingredient is cinnamon. It's sweet cinnamon. Là passé dans l'épreuve, bon Dieu pas quitte seulement dans l'épreuve là comme ça, non? See, after going through the trials, God does not leave you in the trials like that. Il voyait bagaille pour aider au traverser l'épreuve là, qui c'est Saint-Esprit. He sent something to help you through these trials, which is the Holy Ghost. Parce que ça me donne tout dans ça, c'est que l'huile d'aromatique, alors l'huile d'onction, hein, dans l'Ancien Testament de physique, oui, mais dans le Nouveau Testament, où qu'on est qui est important, si un homme de Dieu de doit onction dans la vie. C'est ça me donne tout au point. Hein. See, what I'm showing you here, in the Old Testament, the anointing oil was a physical structure. However, in the New Testament, For a man of God to have the anointing in their life, these are the processes to go through. For bon Dieu éprouver. God has to first try you. Là l'éprouver la puissance Saint-Esprit qui c'est synonyme aromatique qui pour aider dans l'épreuve là et donc je une force pour traverser l'épreuve là. When he tries you, he'll give you sweet cinnamon to help you go through the trial. Troisième ingrédient qu'elle va utiliser, c'est roseau aromatique. And the last one he'll use is sweet calamus. The third one is sweet calamus. Donc, roseau aromatique, ça. And the sweet calamus. C'est un portrait de la parole de Dieu. Is a picture of the word of God. Et ça, c'est ça qui mesure la vie, nous. And this is what's going to measure our life. Parce que ces mots, alors ça fait beaucoup, ça fait de la manquer de temps, parce que chaque mot, ça signifie dans l'original. Et ça signifie sous l'île. The meaning of every one of these words, that's there, that's what they mean when you actually go and define them. Parce que y'a fait qui choisit dans la vie. Because they actually have done something on your life. Donc, l'opre tout ingrédient sont mettés dans le naturel, qui signifie pas quel bagage sur le plan spirituel. When you put all these ingredients in the natural, which means spiritually something that is great, c'est ça qui va produire onction dans vie. This is what produces the anointing in your life. C'est qui j'en prends ingrédient ça ou appliquer dans vous qui va faire onction mon Dieu dans vie. The anointing of God in your life is going to be produced by how you apply these various things in your life. M'pa quoi pour passer Adam te ministre encore au David donc comme Jules sous tête et bilgon onction ça gagne en sous dans ville là. I don't believe brother Adams became a minister in the body and he had to put a full oil in his head like this to have the anointing that he have. Non, c'est preuve avec parole bon Dieu l'esprit de Dieu. Is the trials the word of God the spirit of God qui elle mettait appliqué dans ville that he applied in his life qui fait que l'onction bon Dieu dans ville elle campait. That calls him to have the anointing of God when he stands. See, the anointing of God is not somebody that stands and speaks in tongues all day. No. No, that's not what it means. See, the anointing of God is his approval in your life. You don't have to stand to speak loud. You may have a quite soft voice. You can say one word.
Et puis quand on chita, moi déplacer, là l'appliquer dans l'avion l'autre monde. And where you sit and say that word, it go and get applied in somebody's life. Bon Dieu change la ville. And God changed their lives. Parce que bon Dieu approuvé son dire. Because God approved what you said. C'est sa conclusion bon Dieu dans vie moi. That's the anointing of God in somebody's life. Parce que Adam qui doit chita par exemple jusqu'au côté de Michigan, il dit un mot, moi affecté mon Saint-Marc. See, Brother Adams may be sitting in Michigan and he said one word and it's affecting folks in St. Mark. Parce que onction mon Dieu la donne. Because the anointing of God is in that word. Lors étudié leçon ça. When you study this lesson. Ouais, pour qui raison bon Dieu te mette l'huile ça à disposition, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. You see why God put this oil at the disposition of the high priest and the priest. C'est même ça qui recommande aujourd'hui à tout pour nous gagner onction ça tout dans la vie nous. And it's the very same requirements for us to have this anointing in our lives. Comme on dit le temps qu'a manqué m'ta fait toute leçon à ça avec mais sont très belles leçons hier. As I said, time may hinder us for us to go through the lesson, but it's a very beautiful lesson. Et un jour peut-être que comme on dit m'ka na débat sur lui mais de le montrer que comment il est important pour nous gagnons onction monter dans vie nous c'est ça qu'approbation monter dans vie nous actuellement. See, I just wanted to show you how important it is to have the anointing of God in your life. Et devrait définir pour nous onction monter sous ministère bon Dieu pas constituer regardez une simple opération naturelle on met un petit goutte d'huile sous front Jean de confesse dans l'Ancien Testament. I was showing you that the anointing of God is not how it was done back in the Old Testament about just pouring some oil in the head of a person, but I wanted to show you the process spiritually. Les ingrédients ça et puis ça appliqué dans vie correctement. When these spices are applied accordingly in your life, et bien ça constitue onction mon Dieu dans vie, approbation mon Dieu sur vous. And such constitute the anointing of God or the approval of God on your life. Et ça que même Jésus était obligé de gagner fonction ça sur lui même je le dis dans hébreu hein? Il dit bon Dieu te mettons l'huile de joie sous moi au-dessus de mes égaux. Jesus had to be anointed with the very same oil. He says he anointed me above his fellows in the book of Hebrews. Donc l'huile d'onction ça était sur Jésus. That very anointing oil was on Jesus as well. Est-ce que son corps d'huile pas mal te prendre vite sous tête qui fait te gagner l'huile d'onction ça au-dessus de ses égaux? Non. Was it a horn of oil that the Father poured on him? No, it was not such. C'est ingrédients qui dans vie de Jésus, vie de souffrance, vie de sacrifice, vie de consécration que nous venons tout ingrédients en signification. See, it's the ingredients. These ingredients that was in the life of Jesus, a life of sacrifice, a life of suffering, a life of dedication, which we'll find in these ingredients when you go through their definitions. Et puis l'esprit de Dieu qui c'est l'huile et d'huile la même. In the spirit of God, which is that hen of oil. Parce que bon Dieu te bat Jésus l'huile et Saint-Esprit sans mesure. Because God gave Jesus the spirit without measure. Ça te fait une onction sous lui au-dessus de tous ses égaux. And that allowed him to have an anointing above his fellows. L'ingrédient ça et puis ça on en vit nous. Comme ingrédient que bon Dieu placé pour nous gagner en vie nous. When you have these ingredients in your life as the Lord requires them. Et mais on va gagner onction bon Dieu dans vie. You will have God's anointing in your life. On va gagner approbation bon Dieu dans vie. You'll have his approval in your life. Lors qu'on peut dire une parole le ciel campé derrière. When you stand and say something heaven will back it up. Ça va affecter la vie monde. And that will affect the life of others. Depuis d'aujourd'hui, parlant langue Saint-Esprit, ça va et pas ça seul parce que gain peuple l'église, gain monde dans protestant parlant langue tout. I can tell you speaking in tongues, the Holy Ghost is not just the anointing because people in religion are speaking in tongues as well. Parler puis ouais tout en foule excité là, yo parlant langue, c'est pas ça ça veut dire onction. See, speaking and having a crowd that is excited speaking in tongues, that doesn't mean anointing. Onction veut dire approbation bon Dieu dans la vie. The anointing means God's approval in your life. C'est comme ça. Exactement fait dans le système. Les bon Dieu approuve un monde, il mettait l'huile sur tête. When God approves somebody, God they pour the oil upon their heads. Donc c'est comme ça que on s'est avec l'Ancien Testament. That's how to use it in the Old Testament. Mais dans le Nouveau Testament, pas même j'ai encore dans le naturel.
But in the New Testament, it's not the same way naturally. Mba gen problème à ça si moun gen l'huile ou passer sous corps moun. Mba aucun problème à ça non plus. I don't have any problem if they pour a bucket of oil in somebody's head. Bon, c'est comme je moun passer pour mazoul, passer l'huile sous, c'est la même chose ou moins. The very same way you put lotion on, they put oil on you. Well, that's the same thing. Mais vraie onction, c'est approbation de Dieu. Vraie l'huile là, c'est onction de Dieu dans vivre. But the true oil, the true anointing is the anointing, the approval of God in your life. Béni soit l'Éternel. Blessed be the name of the Lord. M'ka pouvo sa pa tout le, m'ye plus que on cinquantaine de critiques de Kali avant, mais m'a pouvo le soir pasteur Luc a fait l'avant. I have more than 50 scriptures to do it, but I'll send the lesson. Brother Luke will do it with you all. De apprendre de pasteur Victor Brown. I learned this from Brother Victor Brown. Il t'enseye nous en Haïti. He taught us this over in Haiti. Depuis là, nous kembil. And we've kept it since then. Nous étudié sur lui. We studied it. Et ça fait nous gain compréhension qui c'est l'huile là, nous gain compréhension. That's why we have this understanding, which is the oil. Et ça fait Psaume 133 dit les doux les agréable. That's reason 133 says he said how pleasant and good it is. Et pour que les frères de demeurer ensemble. For brethren to dwell together. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. It is like the precious ointment from the very head. Nous content de commencer dans tête là d'abord. I'm glad it first started on the head. Nous connaissons pas c'est Jésus. We know that the head is Jesus. L'huile là c'est sous tête là le sorti avant. Remember that oil came from the head first. L'huile descend sous barbe là. From there it heads towards the beard. Les apôtres joignent compréhension ça tout. The apostle got the very same understanding. Et puis il tombe sous vêtement. And from there it goes down to the garment. Et vêtements, c'est l'église primitive. And the garment or the skirt is the primitive church or the early church. Et puis bon vêtement, c'est l'église d'arrière saison, en bas vêtement. And down to the skirt or down to the skirt of his garment, that is the Lateran church. Content lui la sortie dans tête, il passe dans bas, il descend sous vêtement, le bord de ses vêtements. I'm glad it went down from the head to the beard, then to the skirt, then to down to the skirt of his garment. C'est compréhension mon Dieu dans le corps de Jésus-Christ. Which is the understanding of God in the body of Christ. Et bien qui produit onction mon Dieu qui s'approbation mon Dieu dans la vie. And such thing produce the anointing of God, which is God's approval in all lives. Même fin étudier le sens, pas aucun problème avec un monde qui a l'huile naturelle qui passe sur un monde qui vit de l'enfant, un monde qui fait ça le lavel. Mais problème à ça. After studying this lesson, I had no problem with somebody being washed with oil. Parce que c'est pas ça qui signifie toute la vraie. Because that's not what it means. Ça qui salve dit vraiment. What it really means. C'est le bon Dieu approuve la vie. Is when God approves your life. Et puis il met onction dans vie. And put his anointing in your life. Que bon Dieu bénisse. God bless you all. Na discutons notre foi. Que bon Dieu bénisse notre semaine. Talk again. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you Lord. Praise God. Praise God. Merci Seigneur Jésus. Merci. Mon Dieu, alléluia. Bless your name. Alléluia, thank you Lord. Bless your name, bless your name. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. Thank you Lord. Praise God. Et nous n'avons pas ce Guy Maurice Ten avec nous aujourd'hui, hein? Bah, on est disponible. Il a finalement aimé. Oui, fois où je dis que à une heure, pas le bon break. Donc, si pas ce Guy Maurice Ten disponible, il a dit qu'il choisit. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. God. Praise God. Merci Seigneur. Donc, quand nous remercions le Seigneur, c'est une grande opportunité que le banon est capable de prendre part dans la réunion aujourd'hui. Thank God, he's given us this opportunity to partake in this meeting today.
En effet, frère Luc, t'es voyé link là-bas, moi? Brother Luke sent me the link. Donc, il dit, m'a profité de l'occasion, donc, quoi, il y a une activité dans l'église là, il y a un service de jeunes qui a fait qu'on y a là. I told him I'll make use of the opportunity, although we have a fasting service at church. Donc, moi, réalisé, donc, je dois venir béni avec les hommes de Dieu. I realize how to be blessed, come and be blessed with the men of God. Donc, content avec Pasteur Roger Bolière. Glad to be here with Brother Roger Bolière. Content avec Frère Luc. Glad to be with Brother Luke. Frère Rémi. Brother Rémi. Avec tout l'autre ministre donc, qui est sous plateforme, non? All the other ministers on the platform. Et tout un peu bon Dieu qui nous donne Saint-Marc. And all the brethren, all the folks in Saint-Marc. Donc, on me dit bon Dieu merci, donc pour un si grand travail, donc à fête dans la zone, non? Oh, j'ai dit c'est vous-même qui apporte Saint-Marc. Parce que vous avez toujours voulu faire, oui, oui. L'elle dit ça, je vous dis la bonne go, non? When he told me that, I always say he's giving me too big of a name. Donc, quand on a de Dieu, donc, le travail que mon Dieu permet que la fait dans la zone. Glad for the man of God and the work that he's doing in the area. Donc, un capable témoigner vraiment, donc, que mon Dieu utilise pendant des années, que un travail capable de planter dans la zone Saint-Marc. I can testify that God used him to plant this work in Saint-Marc. Donc, en effet, témoin de ça. I am a witness. Comment que bon Dieu a développé don dans la ville. Our God is developing his gift in his life. Donc, parfois, il n'est pas difficile pour réaliser lorsque don mon Dieu dans la vie d'un homme. Sometimes it's not hard or difficult to determine when the gift of God is in somebody's life. Donc, content, donc, il pas qu'un bien don pour lui. I'm glad he didn't keep it to himself. Parce que quand Paul dit ça, donc, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. But if Paul says this, let everyone put to the use of others a gift as he received it. Donc, c'est à cause de don Dieu angélique qui fait un travail, donc, qui est excellent qu'a fait dans la zone. And it's because of God's gifts in his life, that's why a good work is being done over in St. Mark. Donc, côté que bon ministère de lumière qui a fonctionné. Where there is a ministry of light functioning. Et puis le monde qui était dans ténèbres dans zone là donc ils sont dans ténèbres ils viennent la lumière. Many who was in darkness are no longer in darkness but they're now in the light. Donc par suite de serviteurs donc ils étaient voyés dans zone là. Because of his servant that he sent in the area. Content pour son si grand travail qu'on s'est fait. So glad for such a great work being done. Donc songez en 81 donc Pasteur Roger a fait une convention du corps de Christ à Saint-Marc. Remember in 1981, the Lord, Brother Roger was doing a body of Christ meeting in Saint-Marc. FM, quoi, c'était la première convention qui t'a faite dans la zone là. I believe that was his first meeting there. Et puis, quand il y a là, donc, après service, il y a des sessions de baptême. And after the meeting, they had this baptismal service. Il est ça, donc il était sélecté moi parmi trois pasteurs qui étaient pour entrer dans de l'eau. Then he selected me amongst three pastors that were supposed to get in the water with me. Donc là ça me songe ça, donc il était grand fanfare qui était très solide dans l'église là. He had a very good band in the church at that time. Et puis nous sortis dans l'église là, puis nous allons dans la mer. We left the church and we marched on to the sea, to the ocean. Donc, de sorte que vous n'êtes capable de plonger, donc faire bon Dieu dans les eaux du baptême. So that we can go ahead and submerge some people in the water baptism. Donc, ça a été le premier baptême qui t'a fait dans la zone, non? I believe that was the first baptism they held over there. Donc, malheureusement, donc, de l'autre pasteur, donc, ils ont décédé. Sadly, the other two pastors passed away. Donc, c'était pasteur... Et Pradel Jean Simon à l'époque. One of them was Pastor Pradel Jean Simon.
Après ça, tu as pasteur Bruno George. Bruno George. Pasteur Bruno George. Et puis avec moi-même, donc c'est nous trois acteurs qui étaient là. It was three of us that got into the water. Donc ça a été un bel souvenir, ça a été un souvenir pour moi. Such is a good remembrance for me. Good souvenir. Parce que pasteur Roger était honoré dans la zone là, à l'époque. Because Brother Roger honored me then. Donc m'apprécie. Vous toujours honoré. You yet honored. Je connais ça. Donc, je connais ça, m'apprécie ça. So I know that you honor me and I appreciate that. Donc, je dis bonjour, merci pour même pour le fait que quelqu'un me sent tout. Appreciate God for you that he's kept your health. Continuez à prier pour même, prier pour madame. We'll pray for you along your wife. Donc, comme on t'a aimé, que santé a rétabli complètement. Like the health to be fully recovered. Donc, quoi que ça travaille en bénédiction, non seulement pour le peuple Saint-Marc, mais pour nous tous qui sommes aux États-Unis. But this will be a blessing to all of us and the States also and Saint-Marc. Donc, de sorte que vous avez toujours un support pour nous dans New York. Because you've always been a good help for us in New York. Donc, chaque convention gagne, donc vous toujours béni nous, bien béni nous. You've always come be a blessing to us in every meeting. Dans l'assemblée locale, nous sommes à Boston, donc vous toujours venir pendant trois occasions, je crois. You always come. I think you came three times to our meet to our church in Boston. Donc ça a été un grand souvenir pour nous. Has been a good help to us. Donc, pour toujours en bénédiction pour nous. You've always been a blessing to us. Donc, on a quoi bon Dieu pour me toucher. And we're trusting God for a touch. Donc de sorte que vous êtes capable complètement rétabli. So you'll be completely restored. Parce que n'est pas dans intérêt nous, les hommes de Dieu quitter nous pour aller comme ça. Because it's not in our interest to lose the men of God amongst us. Donc, nous t'as toujours aimé être avec nous. We always like for them to be among, to be there with us. Parce que nous pas aimé à le déposer dans terre. It is not our intentions to go and put them 6 feet under. Il n'y a pas un profit spirituel pour nous. It will not be spiritually profitable to us. Donc, de sorte que c'est avec regret pour ta voix, on va le déposer toute ton bibliothèque dans terre. It's with great regret to see that you're going to put down 6 feet under a Bible or like a library. Donc, ministre, bon Dieu, très éloquent. Donc, nous, ça fait la prière pour vous, là, vous avez un problème, là, vous êtes malade. The ministers are quite eloquent, therefore, we pray for them when they're sick. Donc, content, tu es capable de prendre part dans la réunion. Hein? Glad that I can partake in this meeting. Content étant de pasteur Adams. Glad to have heard Brother Adams. Donc, il réellement béni cœur nous dans la réunion. It was really a good blessing, a great blessing to us this morning. Donc, c'est un ami pour nous encore. He is a friend to us in this body. Donc, nous voulons faire sentir nous remercier, même si il remercie nous tout. And we'd like to let him know that we love him as he loves us. Donc, toujours supporter le travail, non? Le travail qu'on a fait. There's always been a support of the work that we're doing. Donc, nous apprécions de tel homme, dont mon Dieu dans vie. Appreciate God for such men with gifts, the gifts of God in their lives. Donc, il bat valeur avec le travail, bon Dieu, avec les hommes de Dieu. That value the works of God and the ministry of God. Fait, nous voulons honorer de tels hommes. That's the reason we want to honor such men. Donc, pasteur David bénit nous à terre là. Brother David was a blessing to us as well. Donc, il fait tout ça le capable pour le déposer l'huile là dans la tête, non? And he did all he can to put the oil. Donc, nous apprécions pasteur David. We appreciate Brother David. Les amis nous tous, donc, de bon Haïti, si y a un garçon. Been a good friend to us, even from Haiti, as a young man. Nous apprécions, bon Dieu, pour lui. Donc, moi, j'ai envie. And the gifts of God in his life. Donc, ça t'y réjouit, donc, m'a pas arrêté toi, comme qu'on est nous pour le manger. Rejoicing, I know I'm not going to stay too long because I know you're going to eat shortly. Donc, me sentis content pour ne te prendre pas dans si grande réunion. Glad to have partaken such a great meeting. Donc, bon Dieu bénis nous, non pas M. Frère Guy, Maurice Ten de Boston, Massachusetts. God bless you all. My name is Brother Guy Maurice Ten from Boston, Massachusetts. Donc, c'est un plaisir pour me d'avec les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. Certainly was a pleasure to be with you all.
Bon, God bless you all. Que bon Dieu bénisse nous. Et bon Dieu bénisse nous. Grâce à Guy. Alléluia. Brother Luke, Brother Rogers say, I guess you can go on intermission, so you can take over and go on intermission now. Okay. We'll come back at 1:20, I suppose. Come back at 1:20. Jesus, as
praise God. Donc, sentez-nous bénis. Comment sentez-nous bénis, mes frères? Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, nous prenons une pause. We're going to take a break. So, on a demandé pour le tableau aller en avant. Et ensuite, mettre fond de mes frères. On a quitté le tableau en avant. Après ça, on show you. Et on fait place pour nous. So, we're going to let the table go first. And then after that, we'll let the ministers go after that. So, demandez mes frères. Ma frère, nous allons monter.
Build a fence all around me.
Build a fence all around me.
Praise God. Donc, on mettait debout. Si, donc. Mon Dieu encore. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bless your name. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Alléluia. Oui, nous guéris, maladie. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Merci, Tata. Donc, content, Christy, mettre mes sous nous. Et nous retournons avec session ministérielle. Et il y a plusieurs ministres qui soulignent toujours pour parler. Nous avons fait place pour vous. Et nous avons fait place pour Pasteur Elias de Saint-Domingue. Et demain, qui est ensemble avec nous. Nous avons quitté dit deux mots. Béni veut bon Dieu. Et ensuite, nous avons Pasteur Lily qui est ensemble avec nous. Bons amis de travail. Là. Donc, après, Pasteur Elias n'a fait place. Pour Pasteur Lily. Ensuite, après ça, il y a l'autre ministre toujours, mais à nous rentrer dans la parole de Dieu et puis quitter bon Dieu, béni nous. Pasteur Elias. Et... bon Dieu, béni nous. Le Seigneur, béni nous. Nous apprécions la grande communion, ça, que Jésus. Tu as commencé avec nous depuis 2000 ans passé. Je dis à la préhistoire de l'église li, qui était passée dans le Moyen Âge, qui arrivait dans un point côté le Seigneur a pris le contrôle de l'église, le contrôle du cheval, le cheval blanc. On va essayer tout ça nous tendre matin et après-midi. Et nous apprécions Pasteur Roger pour ce grand travail de Seigneur utiliser pour le planter dans ses marques. Et l'autre zone, je dis à nous Kawayo. Et nous apprécions Bordelic, qui tourne un poteau lumière, qui a éclairé. Nous avons la lumière depuis Saint-Domingue, depuis là où on a à côté de nous. Et ça, c'est un si grand travail. Et nous apprécions tout le ministre qui a campé à côté. Et tout ça qu'a fait. Na Haïti kounye la ke n'ap gade tout sa ka passé pi pou travay sa kanpe jan kanpe a si le Seigneur pat la si travay la pat sou roche a pat sou rok la et y pata Jean Noël la et nou kontan invite nou fè yon pati nan réunion sa. Et nous apprécions le Seigneur pour Bode Adams, Frère au Canada, tout ça le dit sous Louis L'Oxion. Le Seigneur, ou un monde, pour faire un travail, nous n'avons rien qui a contre elle. Nous remercions le Seigneur pour le Saint-Esprit aujourd'hui, car ou un monde pour le cas. À planter pour yo ka arroser un peu pour le Seigneur un grandissement. Si travail la grandi jodi a c'est le Seigneur. C'est ça veut dire travail la bien planté. Travail la bien planté. Entendre à Bode Adams attentive et une parole li di yo c'est le Seigneur qui place moun dans chaque don, j'en vle. Et pas j'en l'homme vle. Et pas j'en ide l'homme et j'en laisse y vle. Et si le Seigneur est placé ou l'autre bois, et parce qu'il vle, et. Le Seigneur béni nous, moi béni nous, m'apprécie nous, à nous avancer dans le Seigneur, à nous avancer dans le travail du Seigneur. Mettez-nous en un. Ça, c'est le corps de Christ. C'est plein de membres. Membres de tous côtés, dans tous les mondes.
c'est la famille de Dieu sur la terre, c'est l'église Christ, c'est tête liée. À nous rester dans place nous, à nous persévérer, et monde qui persévère jusqu'à la fin, la va sauver. Le Seigneur béni. Passez bon après-midi. Oh wow. On va se lire, on met de parler, micro ouvert. Allô, bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Je suis content pour saluer nous dans le nom de Jésus. À la vérité, moi, je m'en appelle excuse parce que le téléphone m'a été à bas problème. Nous entendez-moi? Allô? Hey, oui, nous entendons, on va te parler, monsieur. Téléphone dans l'avant. La propre excuse, là, pasteur Lee. À toute munition qui est sous le nom. Il y a autant de monde là? Oui, nous t'en donnons. Nous bénissons, oui, ministre, bon Dieu. Bon Dieu, béni. Je vais te parler, parce que Lili, nous t'en donnons. Donc, téléphone là-bas, on va me passer nous la apostolique. Hello? Nous t'entendons. On va te parler. Ça veut signaler parce que il y a un grand problème. Par contre, si pasteur n'a fait place pour pasteur, en attendant pasteur Lili retourner, et nous avons pasteur Fael qui est ensemble avec nous. Allô? Ok, pasteur Lili, nous t'entendons, on va te parler. Allô? Oui, nous t'entendons, on va te parler. Yeah. Est-ce que vous avez bien aimé, on va interpréter pasteur Lili? Pas de monde qui parle anglais sous les noms, mais parle. Ok, moi content pour moi saluer nous dans le nom de Jésus. Et c'est une faveur de CFNO, mandez-nous un peu l'excuse pour ce long retard. Le téléphone nous est vraiment à bas problème. Donc, j'espère très prochainement la remplir au téléphone pour nous souffrir tout et péripéties. Donc, je suis content pour moi saluer nous. Je voulais dire nous quoi dans le Seigneur.
son réunion était de là depuis avant 11h. Et si l'autre bande d'appui même, nous avons un problème technique. Et problème technique qui fait nous pas arriver. Mais j'espère avant longtemps, le Seigneur va aider nous pour nous fixer bagaille au nom de Jésus. Donc, je regrette, je ne sais pas exactement qui sujet qu'on a débattu matin. Donc, seulement, je voulais dire, nos bien-aimés, comme Jean-Paul te dit, ainsi donc, bien-aimés, travail fait dans le Seigneur. Travaillez de mes amis, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. S'il vous plaît, mes frères, m'apprenez-nous, prends ça à cœur, priez en pile pour Pasteur Roger. Parce que nous, nous voulons qu'il soit avec nous pour des années. Donc, actuellement, sent-il pas trop en forme, priez pour lui, pour le Seigneur être capable de toucher lui. Nous t'en dis, mes frères. Oui, nous t'en dis. Donc, merci. Donc, encouragez-nous pour nous prier pour Pasteur Roger, pour le Seigneur être capable de kembe lui. Et puis, priez pour l'école de Christ, parce que nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin, le Seigneur, toucher quoi pour qu'il travaille, mon Dieu, capable d'aller vers l'avant. Donc, priez pour les frères en Haïti. Actuellement, la situation est vraiment difficile. Nous ne pouvons pas réunir vraiment en réunion. Priez pour nous. Priez pour Pasteur Dupuis, c'est juste. Actuellement, qui sont Santo Domingo, à cause de santé, madame, qui n'est pas en forme. Priez pour lui. Pasteur Brismar, avec madame Lee, dans la zone sud. Donc, priez pour lui, pas qu'à monter. Bon, ici, donc, priez pour lui. Priez pour Pasteur Lucien Almanok. Actuellement, je crois qu'il est aux États-Unis, il descend au Bengue pour traverser son, en Miami avec madame Lee pour raison de santé. Et priez pour Pasteur Héro, je crois qu'il est l'autre bord. Et priez pour Pasteur Michel Jean-Luc, qui, je dis à même, qui a fait violine, Pasteur Alphonse Dormeville. Et ce pasteur-là a été succédé par Pasteur Gassis à Côte-Plage, dans l'église Côte-Plage. Mais je dis à, c'est Vioreni, demain, si tu veux, c'est ma funéraille. Donc, priez pour l'assemblée Côte-Plage et toutes les assemblées des pasteurs Gassis, Germélus, établies. Donc, actuellement, travaille ça sous la supervision du pasteur Michelin Jean-Louis. Qu'on est fadoua vraiment loup pour lui, priez pour lui. Et prier pour toute notre ministre, pour l'essayer capable de faire nous. Donc, comme je dis, Pasteur Bousmach, dans le sud, Pasteur Michelin, Kafoudifor, Léogan. Donc, Pasteur Héro là-bas, Pasteur Almano là-bas, Pasteur Dupuis à Saint-Domingue, à cause de Santé Madame Ni. Donc, il y a plusieurs rendez-vous à suivre. Nous pouvons l'essayer capable de toucher. Et moi-même, tout, on va prier pour moi et prier pour celle Lilito. Quelquefois, santé pas trop en forme d'eau, mais nous croyons fermement dans le Seigneur que tout va bien au nom de Jésus. Donc, je ne vais pas trop loin avec nous, mais seulement de vous saluer nous parce que nous sommes complètement en retard. Donc, que le Seigneur bénisse, nous sommes dans l'autre occasion, mais après, nous sommes capables de parler des affaires de Dieu. Donc, mes frères, nous sommes capables de dire nous, Éphésiens 5, verset 18, qui rachetait le temps quand les jours sont mauvais. Nous sentons que le Seigneur est bien prêt avec nous, en nous-mêmes, à nous préparer vers nous, à nous préparer que nous, comme a dit le prophète Ézéchiel dans le chapitre 12, à nous préparer et faire voyager nous parce que le Seigneur n'est pas loin. Que le Seigneur vous bénisse, que bon Dieu bénisse nous, Pasteur Lick, que bon Dieu bénisse nous, Pasteur Roger, que le Seigneur continue de bénir tous les ministres de Dieu qui sont sur le panel là et tous les autres ministres qui branchent dans diverses zones, que le Seigneur fortifie nous. Qu'aimez là dans le Seigneur et qu'aimez salue nous. Très bientôt, le Seigneur va venir pour nous récompenser. Que bon Dieu bénisse nous, restez dans le Seigneur. Bon Dieu bénisse nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Praise God. Donc, le pasteur Fael. Pas le faire place pour lui. Donc, bénis-nous. Et... Salut. Hello. Nous bénis. Hey, bon Dieu béni. Oui, Pasteur Roger, bon Dieu béni. Oui, nous bénis.
Oui, c'est avec un pile cœur content pour moi saluer spécialement Pasteur Roger. Radier. Et tous les autres frères, parce que l'Assemblée de Laval prie pour vous chaque dimanche. Dans chaque merci. Service qu'il a fait, parce que nous connaissons l'état de santé pas très bien. Et mais... nous t'arrêtons, on fait un retour encore Laval. Du même coup, nous profitons de saluer Pasteur Luc, Pasteur Jean-Rémy et tous ses frères. Moi, content pour m'avec nous de longtemps m'attendez nous pour que m'ta béni de Pasteur Adams et m'continue béni de Pasteur et David Canada, Pasteur David, David bon. Et autres frères qui t'a déposé nourriture sous table là. Chaque monde qui était là, il était kembe un vaisseau nan mayo. Il y a une nourriture et les hommes de Dieu t'ont distribué à eux-mêmes. Et je suis content parce que David t'a parlé en ce qui concerne comment bon Dieu t'a fait les choses dans l'Ancien Testament. Et tout côté dans l'Exode là, côté que Dieu t'a dit Moïse, faites les choses selon le modèle, mais que nous te connaissons le modèle là pour te arriver. C'était échantillon. Et ton prélude, mais je dis à nous dans la période modèle là, et que nous avons travaillé nous-mêmes. Ce n'est pas tabène avec visuel là qui va modèle là, c'est nous-mêmes qui sommes capables de devenir modèle là. Et moi, apprécier tout ça, m'entendez, m'apprécier réunion ça, m'apprécier travail, Pasteur Roger, façon que le travail. Et ça fait un grand verset que m'aimer et. Je ne veux pas vous dire ça tant comme si moi et de flatterie. Mais je me dis ça yon moun mérite. Parce que en pile fois, il y a des hommes qui parlent de mérite là. Et c'est dans un passage qui dit dans Exdras, chapitre 3, le verset 1er. Il dit que le septième mois arrive. Le septième mois. Arriva. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Étaient dans leur ville. Étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Oui, Pasteur Roger gagne attribution ça. Et ils ont fait demander le Seigneur. Pasteur Roger gagne deux aspects que moi j'aimais dans le fonctionnement. Il y a une volonté pour faire les choses. Et bon Dieu, le courage. Malgré qu'on a commencé à fatiguer physiquement. Mais. Et Pasteur Roger, le ciel a la façon pour lui et compiler des jeunes hommes pour le ministère toujours rajeuni. M'encourager le lance à même au lit de mort, il est capable de toujours gagner attitude ça parce que son esprit, son action, son attitude que bon Dieu maintenant lui pour fonctionner comme ça. Et ça fait aujourd'hui, il y a un pile exemple que moi-même, moi, suivre le ministère et le travail Pasteur Roger. Je dis, en, dites le livre Exode chapitre 25 là, qui parlait de verset 9, qui dit ou gardez stencilio, gardez les choses, faites Jean ou Mdou là. Eh bien, je dis à nous trouver li, c'est pas stencil naturel yo, comme Pasteur David l'a dit tout à l'heure, c'est pas l'obuit naturel là, c'est pas li qui t'a parlé là. Ce n'est pas spécialement chérubin naturel, ce n'est pas yo. Mais je dis, c'était une figure qui te représentait l'Église dans Jodia, dans la façon que l'étape décortique les choses. Malheureusement, elle n'a pas traité assez pour me détendre qui choisit de beaucoup plus ça donne. Et chaque jeune garçon que le CM mettait main sous, il choisit pour qu'il soit capable d'aider dans les affaires de Dieu, nous devons prier le Seigneur pour eux. Parce que lorsqu'on prie le Seigneur pour eux, parce que le ministère de la prière, c'est une chose capable de dire qui est réellement impeccable dans le temps ça. Alors, prier bon Dieu. Pour bon Dieu, et pour bon Dieu, kembe ou solide dans le plan li gen pou, dans la vision que li gen pou, et pour atteindre un objectif qui est réel, qui est véritable selon le plan de Dieu, c'est pour un jouet lié. Et donc, Pasteur Roger, besoin de pile prière. Pasteur Roger, besoin de pile prière. Nous, Laval. Nous avons besoin de prière.
parce que nous entendons, nous avons un pile bagaille que nous avons pour nous faire. Et nous connaissons ça bien, c'est nos zones déplacées pour nous capables de venir joindre nous parce que nous connaissons le sud et Internet n'est pas trop facile, c'est une zone côté maintenant. Et parce que lui, il a parlé de quelqu'un qui est malade, madame, parce que depuis, peut-être depuis le mois de juillet, madame, je n'ai pas levé pour un autre jour. Peut-être que je vais arriver là, je vais mourir, tout ça, capable d'arriver. Parce que j'espérais tout ça que je dis là. Mais, les affaires de Dieu n'a toujours mis en premier rang. Parce que le verset qui dit, on nous serre nous ensemble. On nous continue à serrer nous. On ne nous pas écarter. Parce que le verset qui dit, verset ça, Psaume 133 qui dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est parce que David qui t'a dit ça. C'est comme l'huile précieuse. Ouais, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe et sur la barbe d'or. C'est pour le verset que vous n'avez répété. Donc, comme d'habitude, nous répétons une belle phrase. Mais cependant, nous avons demandé le Seigneur pour que ça ait une place dans nous pour nous sembler avec ça, nous dire. Nous content de la réunion, ça. Nous content d'entendre le pasteur Roger. Nous content de saluer le ministère et saluer tous les frères qui sont avec lui. Du même coup, pasteur Roger, les gens de Laval, toujours dit, nous saluer. Nous profiter aujourd'hui pour nous, non seulement Laval, parce que nous promouvoir dans la communauté à Laval, li publié aussi à derrière fort non parce que c'était une plante Laval non publié dans Chantal non publié dans Port Salut Saint-Jean avec nous pardon et non publié qui va nous dire quoi non publié dans Maya ensemble avec nous parce que Dieu ben nous quelque travail dans quelque bonne zone et m'a quoi le Seigneur avant ça arriver plus loin pour le Seigneur bon force et courage pour venir dans zone non. Même si vous avez campé dans un seul côté, mais pour les gens qui connaissent deux noms, vous avez un défi. Je vous souhaite bon courage dans les Seigneurs. Je vous ministre courage. Et je vous souhaite, nous, mes frères, qui ont travaillé avec Pasteur Roger, serrer les rangs ensemble. Comme dit Livre et Job, chapitre 41, le verset 6 et verset 7, qui parlait que pour nous être serrés, pour l'air pas passer dans le temps. On nous été serrés, mes frères. On nous été collés, même si nous à distance. Parce que peut-être nous sommes capables de s'aimer avec nous, nous connaissons Kronia et Matissan fait nous vivre dans deux pays. On nous croit les Seigneurs, on nous prie les Seigneurs. Nous croyons qu'un jour, le ciel va rendre les choses beaucoup mieux et beaucoup possible. Nous souhaitons nous bon après-midi et meilleure continuité. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il garde nous, qu'il protège nous. Nous avons un frère Exode, parce qu'il a dit faire place pour lui. Bon Dieu bénis nous. Donc, je dis bon Dieu merci pour l'opportunité de bon moi, capable d'en ligne avec nous. À profiter du moment pour moi. Salut Pasteur Roger et Frère Luc et Frère Daï, Frère Élisée, donc tout ministère en général. Et tout frère qui est en ligne. Non? Donc, moi dis mon Dieu merci pour tout ça qu'a dit, qu'a édifié Kora et qu'a édifié Nom. Donc, même Jean-Pasteur Adams a mentionné Don Bon Dieu dans la vie. Donc, après, Bon Dieu fait des dons aux hommes pour peuple capable de perfectionner. Donc, moi, content pour tout ça dit. Moi, content pour le ministère Bon Dieu. Moi, content pour le peuple de Dieu. Donc, à travail dans une dimension très élevée. Donc, content pour ça, Pasteur Adamzi, Pasteur David, et Pasteur Guy,
et des hommes de Dieu. Donc, en aucun bé, même Jean-Pasteur Néret a dit ça, en aucun bé la parole de Dieu, on a été serré. Et donc, ça va mener à la perfection. Donc, si nous avons dit, donc, bon Dieu, dans la ville, même Jean, c'est Paul qui t'a dit ça avec Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4 et verset 14, Paul t'a dit avec Timothée, mais ça, Timothée fait, mais comment pour le travail? Donc, on aurait été qu'un bé, donc, bon Dieu, dans la ville, donc, on n'a pas négligé. Don bon Dieu dans la vie, nous. Parce que l'on néglige don bon Dieu, ou pas arriver dans la zone bon Dieu, mais tout là. Parce que bon Dieu attend nous dans une zone. Ou dans 1 Timothée chapitre 4, en verset 14. Ouais, Paul dit, néglige pas le don qui est en toi. Parce que l'on a servi bon Dieu, pas négliger don la caille, servir avec elle. Donc, l'on servit avec don bon Dieu, servit avec travail, bon Dieu, don bon Dieu dans la vie, et bien bon Dieu gagne intérêt dans vous. Parce que même Jean, c'est Jésus qui dit ça, il dit côté trésorier, c'est la cœurier. Vous savez, après bon Dieu, il mette trésorier dans nous. C'est ça, nous devons travailler avec. Donc, pas négliger. Li. Et il dit comme ça que. Et qui t'a été donné par prophétie et avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, yon don, bon Dieu dans la vie, sous travail avec droite, et on va priver à la perfection. C'est ça, pasteur Adams t'a dit, non. Donc, qu'un don, bon Dieu dans la vie, nous. Donc, on n'a pas découragé, on n'a pas fait ni à droite ni à gauche. Donc, et puis, bon Dieu. De jour en jour, la pêche qui te kichoy nan nou. Après, même Jean, même ni dernier verset ça, dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ouais, même Paul encore l'a montré comment pour. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Donc, il montre que gagner diversité de dons, mais dans le même esprit. C'est ça, parce que Néret a dit pour nous qu'il y ait le même esprit, à marier ensemble. Donc, marie ensemble, non, seul esprit, un seul amour, un seul foi. Donc, et parce que un seul Seigneur, il dit, il y a une diversité de dons, mais ça fait non, seul esprit. Il y a une diversité de ministères, mais il y a un même Seigneur. Il y a une diversité d'opérations, mais c'est Dieu qui a opéré toute bagaille. Donc, on aurait été dans mon Dieu, quel que soit dans la zone nous taille, quel que soit dans la douane taille, quel que soit dans le pays nous taille, c'est qu'un bé bon Dieu, qu'un bé don bon Dieu dans la vie. C'est qu'un bé don bon Dieu dans la vie. La mène, même j'ai bon chanté qui ça, mène-moi côté ou blé. Donc, même l'aime pas t'avlé aller. Donc, qu'un bé don bon Dieu dans la vie. Après, Paul continue pour le dire. Donc, dans Romains chapitre 12, verset 6. Et même par là, et bien, don bon Dieu dans la vie. Et puis, bon Dieu a mené dans la zone que vous n'avez pas espéré. Donc, mes frères, pas décourager le travail dans mon Dieu. Donc, on content de t'aider, on content de nous. Donc, moi, c'est en partie de nous, nous sommes partie de moi. Donc, quand on travaille ensemble, on aurait été dans le corps. Travail avec don bon Dieu. Donc, parce que mon Dieu a injecté qui choye dans la ville déjà. Même j'en t'ai fait. De bay parabole ça. Te dit qu'il y a des hommes, voyons ensemble avec un homme qui parti. Et puis il dit bay des talents à des hommes. Il y a un ni bay 5 talents. Il y a un ni bay 2 talents. Et il y a un ni bay 1. Mais ça gagne 5 talents de travail. Il va mettre 5 autres sous lui. Ça gagne 2 talents pour le travail, il met 2 sous lui. Mais ça gon talent pas travail, il prend c'est l'argent dans la terre. Pas travail avec. Après lorsque mettre la vini, ça gagne 5 talents à cocher. Il dit mettre gagne de bon 5 talents. Travail, mettre 5 lots sous lui. Mais mettre la tête dit bagaille. Il dit bon et fidèle serviteur.
Voyez, on monde qui travaille fidèle avec talent que vous gagnez. Donc, on récompense. Que bon Dieu bénisse nos mes frères. Que bon Dieu aide nos mes frères. Que bon Dieu nous marie Saint-Tu, nos mes frères, pour avancer. Que bon talent, bon Dieu, dans la vie. Que bon don, bon Dieu, dans la vie. Et pour voir de la perfection. Bon Dieu bénisse nos mes frères. Bon Dieu aide. Praise the Lord. Oui, parce que dit frère Chemezi. Nous bénis. Nous bénis, Pasteur Roger, nous bénis tout, Père Bon Dieu, ministre de Dieu, Brother Exode, Brother Rémi, Mbable Genjalou, tout le monde en général. Bon Dieu bénis nous. Moi, je suis béni. Pour ça, me tente pour moi-même, c'est à souhait. Moi, je dis bon Dieu merci, malgré moi, je fais aller-retour dans ce service-là. Parce que moi, j'ai un petit peu d'activité. Je suis obligé de faire le retour. Mais en tous les cas, je me sens béni pour ce que tu as dit dans la zone. Et je me sens un bon travail qui fait. Même lorsque je suis à Paris, je sais qu'on a travaillé ça aussi. C'est un arrangement que papa me fait moins. Et il a toujours parlé de Pasteur Roger. Et puis depuis les havres, j'ai une connaissance, je tombe d'amour pour zone ça. Et je me sens béni pour tout ce que tu as dit, ministre de Dieu qui a enseigné la parole. Et qui concernant de l'huile d'onction. Et tu as grandi zone qui t'a touché. Nous venons en fête des nations. Nous avons besoin plus de la parole. Je dis à Gadon, grande bénédiction des Seigneurs fait. Ma pari, c'est ma quand même temps. Ça, c'est grâce, bon Dieu, qu'il y a. Et je me sens béni pour tout ça, me tendez. Je prends pile note, je prends le travail sur vous. Même je dis dans les Corinthiens 12, 27, là, dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour savoir. Ça, c'est le corps de Christ qui réunit. Je me sens content pour arrangement ça. Et c'est ça fait que. Chaque fois que je me arrangement, ça m'a lorsque je me endormi. Dès qu'on parlait de corps Christ, je me levé. Donc tout dans mes parties. C'est ça qui fait qu'il faut qu'il y ait un engouement pour la parole de Dieu. Lorsque vous avez un engouement, le Seigneur va vous yo. Même Jean Minicio, Brother Abdam, c'était. Mais lorsque je passe sur toute réunion, il t'a parlé de deux mon Dieu dans la vie. Et ça fait que vous avez un don, mais vous avez un ministère de Dieu qui peut travailler sur la vie. Après que vous avez un don, vous avez un ministère qui peut soigner le don. Pour une compréhension. Et ça fait que vous avez un don, vous êtes capable de brutal, vous êtes capable de sauvage. Mais nous comptons que le ministère de Dieu, vous avez un main qui est capable de nettoyer, vous avez un main qui prend soin de corps. Je me sens content. Et je me sens béni. Je ne vais pas prendre le temps. Je préfère. Tendez que me parler parce que ti jeune frère yo tellement parlé là qu'on s'est parlé yo je parlais trop des fois même senti béni plutôt apprendre jusqu'ici c'était là c'est courir nous me senti béni ouais béni moi apprécier Seigneur même Jean pasteur il t'a demandé pour hier pasteur Roger nous croyons que nous besoin pasteur Roger de toi année toujours on croit que Baron, si vous entendez. Oui, nous entendons très bien. All right. Moi, je suis béni parce que. Et Gombagay, qui est papa, me dit que il t'apprend encore.
C'est ça fait que c'est ça qui va bâtir un bien-aimé encore. Si tous les jeunes frères, ou doit gagner une identité, ou doit connaître une histoire, l'église qu'on doit vivre, qu'on doit sortir. Et c'est ça qu'on va faire mon route là. Papa, dès qu'on explique moi, il était qu'on à la réunion, il contre il joint 20 centimes. Ouais, 20 centimes à l'époque ça qu'on dalle pas hein. Du coup, il contre 20 centimes dans Carrefour, 40 centimes pour l'attendre. Il acheter manger dans route pour l'attendre l'évangile dans la croix périsse par pasteur Roger. Mais il était enseigné nous ça. Et nous kembe ça. Et puis, je dis à ça, ça bâtime en quelque sorte. Quel que soit côté mieux, nous reconnaissons. Et ça, la Bible dit que nous reconnaissons. Et ça fait que, même lorsque ma Paris, nous sommes sortis. Nous sommes bénis. Je dis plus, que bon Dieu béni nous. Nous allons aider Pasteur Jelly fait prier qui toujours en douleur. Que le Seigneur a fortifié. Bon Dieu béni chacun de nous, sous vous. Que bon Dieu béni nous. God bless you. Okay. Non. Ouais que bon Dieu béni nous donc jusqu'à présent nous avons une bonne réunion. Ça c'est la présence bon Dieu avec nous. Tout ministre campé au campé avec onction bon Dieu. Et nous avons fait mention d'un prédicateur qui n'a pas gagné onction. Donc, et autant qu'on pouvait dire que nous avons parlé. Et sa onction, bon Dieu, est très difficile pour planter qui soit un homme. Donc, nous vraiment béni dans la réunion, ça, pour ça qu'il dit. Et Adam font bel réaliser et sous don bon Dieu c'est bon Dieu ba nous don yo travailler avec nous pour mener nous la perfection donc nous vraiment content pour tout ça qui dit nous apprécier tout frère qui fait effort qui là dans la réunion ça spécialement bienvenue la pleine yo donc en plus l'effort pour là malgré difficulté pas gain gaz mais nous fait effort là nous dit bon Dieu merci pour ça quelques annonces m'a essayé faire avant nous passer misla frère nous pas bien réunion ministre pour mois de décembre là. Donc c'est comme ça on habitué faire en réunion n'a bien c'est va 31 va 31 décembre on va gagner un service d'action de grâce on va toujours faire service de remerciement on habitué faire donc nous commencer depuis 3 heures réunion des affaires. Et nous demandons tout le monde qui a coopéré, qui bon fonctionne dans l'église, nous là, en réunion 3 heures. Et après ça, donc, et après, nous, c'est nous manger, donc, un service, nous allons commencer à 8 heures, le soir, donc, nous allons voir là, si tu veux. Donc, c'est annoncé à nous gagner, nous allons avoir une réunion ministre pour le mois de décembre, encore. On a l'habitude de faire, donc on a bien réunion pour 31 décembre. On va 31 décembre, non, c'est d'abord vendredi. D'abord vendredi, donc le premier janvier, bien vous tombez samedi. Donc c'est vendredi qui va 31 décembre. Et ensuite, nous voulons encourager. Un frère qui est habitué à coopérer avec nous pour peinturer l'église. Donc, nous avons des opérations. Donc, ma foi, mon Dieu, bien, je ne suis pas là, mais ma foi, mon Dieu, si il y a des choses, des conseils, je vais vous donner des choses. Donc, je vais vous peinturer.
m'a proposé Pentia, il va être en contact avec moi pour bah explication comment vous les choses faites. C'est une bagaille, on doit dire l'église à propre. Mais raison qui fait l'église à propre, c'est parce que nous peinturons chaque année. Donc si on pas peinturer chaque année, donc la blaser dans mon donc on va perdre toute fraîcheur. Nous les travail bon Dieu est avec fraîcheur, c'est ça qui fait nous faire tout ça nous capable pour nous peinturer chaque année. Et nous apprécions tout le monde qui supporte nous tous pour nous acheter petit. Donc, nous frères nous il là. Donc, contactez-moi pour nous faire un arrangement pour café échafaud pour nous travailler plus vite, pour l'église là. Donc, je ne connais pas si bien-aimé Moliankou demandé pour. Emmanuel, là, est-ce qu'il l'a dans la réunion, mon frère? Non, il n'est pas venu, c'est l'autre frère qui l'a. Oui, mais ça. Et frère Noté, frère Noté, ou pas de parler avec, parler avec, frère Connect, il faut qu'il est là pour nous.